On a tous nos petits rituels, nos petits secrets, des petites choses qu'on ne veut pas abandonner, qui font qu'on se sent bien. Et après, c'est une alchimie, c'est comme les rencontres hein, dans la vie, c'est d'un seul coup, on aime une odeur, on aime une texture. Moi, je sais que j'ai une peau qui est sensible. Quand je mets le produit, il y a un côté hydratant, mais simple. Cette marque La Mer, qui ressemble à ce qu'elle défend, en fait. Elle défend la simplicité d'un produit sur une peau, la simplicité artisanale. Ça triche pas. Le fait de faire toute cette démarche à la main, de le faire de façon personnelle. C'est toujours génial qu'une marque naisse d'un homme ou d'une femme passionnée, et encore plus passionnée par la nature. D'avoir découvert un peu l'histoire de ce docteur Huber, en faisant ses expériences, il a été victime d'un accident qui lui a brûlé le visage. Il a voulu lui-même trouver la solution. En voyant que les algues avaient un pouvoir visiblement de cicatriser les mains des pêcheurs, il s'est intéressé à ça. Toute la recherche de cet astrophysicien qui allait justement aider à l'hydratation de la peau, la maison a gardé exactement le même principe de s'occuper des algues, de les faire fermenter. Et puis elle a toujours comme maître mot de protéger les océans et de protéger la nature. Ils ont vraiment compris qu'on pouvait à la fois faire des produits et une marque de beauté sans ne pas penser à préserver ce qui est le plus important pour nous en fait. J'ai trouvé que c'était une façon de prendre soin de soi en prenant soin de la nature, de l'océan. Voilà ce que je pense.